Hey, recoucou tout le monde, c'est toujours le gratteur fou. Alors là, je vais jouer un petit jeu à gratter qui est similaire au précédent, qui s'appelle Medusa. Alors là, je pars avec une balance de 400 euros, donc un petit bénéfice de 100 euros que j'avais fait sur une partie précédente d'un jeu qui est un petit peu similaire. Alors là, c'est pareil, c'est le même système, je vais jouer à 10 euros la mise. Il y a donc des combinaisons multiplicateurs. Il faut donc avoir trois symboles identiques pour gagner un petit prix. Et il y a des parties gratuites. Voilà. Allez, feu. On va gratter tout ça, histoire de voir si on peut être chanceux. Alors, dans une précédente partie d'un jeu similaire, j'ai réussi à avoir les free games, les parties gratuites. C'est ce qui m'avait fait donc avoir un petit bonus, enfin un petit bénéfice de 100 euros. Alors, premier gain 20. Un petit multiplicateur x2. Ce qui serait intéressant, c'est éventuellement d'avoir les parties gratuites. Ça peut rapporter pas mal. Alors, voyons voir pour la suite. Ok, encore un petit 20 euros. Alors, la suite. Rien pour le moment. Ok, balance 300 euros. Bon, en fait, c'est la balance avec laquelle j'avais commencé le précédent jeu qui m'avait fait gagner 100 euros. Donc, c'est dommage, là, je viens de perdre les 100 euros gagnés sur la précédente partie, mais la partie n'est pas finie. Ah d'accord, 1 x 5 et 1 x 2, donc 70 euros. Ok. Premier petit lot potentiellement intéressant. Alors pour la suite, balance 280. On descend petit à petit. Ok, 1 x 5, 1 x 2, 1 x 1. 80 euros de gain, d'accord, pas mal. C'est vrai qu'à 10 euros la partie. Quand on cumule des parties perdantes, et eh bien disons que ça fait rapidement descendre la balance. Alors, ces chers Free Games vont-elles apparaître ou non? Ok, encore un petit 80, du coup balance 340 euros. Alors, si je pouvais pécho un petit multiplicateur x50 ou x100, ce serait pas mal. Ça ferait 500 balles ou 1000 balles. Mais ceux-là, on va pas dire qu'ils doivent sortir souvent, malheureusement. Ah, ben voilà, les parties gratuites. Alors voilà ce que j'attendais, donc 5 parties gratuites. Ok, tous les prix sont doublés. Bonne chance. Bon, ben un petit fois 100, un petit fois 200. Là, c'était 1 x 2. Ok. Alors 10 x 2, 20. D'accord, ils ont marqué les prix sont doublés, mais apparemment ça paye deux fois. Enfin, on va voir pour la suite. Ok, dernière partie. D'accord, pourtant il me semblait qu'ils avaient marqué tous les prix sont doublés. Enfin bon. Ok, donc un petit gain de 100 euros, ça nous fait un petit retour à la balance initiale de 400 euros. Voilà. Un petit peu comme la partie précédente. Ok. Ah oui, exact, je parlais des multiplicateurs tout à l'heure. Les gains étaient multipliés par 2, exact, au lieu du x1. Il y avait un petit x2 ici. Petite erreur de ma part. C'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu troublé avec ce genre de jeu.
Ok, fois 2 fois 5, balance 450. Donc si je m'arrêterais maintenant, bah, je ferais quand même un bénéf de 50 balles. Et je vais quand même continuer un petit peu. Essayer de voir s'il n'y a pas moyen de gratter 100 balles ou plus à ce cher petit jeu. Bon, éventuellement, je pourrais aussi perdre. Ça fait partie des potentiels risques. Donc un petit x2. Alors si je recommence à reperdre, je vais regretter de ne pas m'être arrêté à 450 euros. Ça aurait fait toujours un petit billet de 50 balles de bénéf. Ah, 1 fois 5, d'accord, 50 euros. Ok, bah balance 510. Alors réfléchissons, hop, je vais jouer encore une partie à 10 euros et je m'arrête à 500. Du coup, ça fait encore un billet de 100 balles de bénéf. Je vais pas risquer de potentiellement tout perdre, ce cher petit gars. Allez, dernière partie qui était perdante. Ouais, franchement, je suis quand même assez content. La balance était un petit peu redescendue. Bon, j'ai eu les parties gratuites qui m'ont fait remonter vers les 400 euros. Et là, j'ai réussi à avoir un petit bénéfice de 100 euros encore sur cette partie. Voilà. Donc, ça fait un petit billet de 200 balles de gagné. Ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais garder cette balance. Puis, éventuellement, essayer un autre petit jeu similaire. Puis, voir si je suis éventuellement aussi chanceux. Voilà. Ouais, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, vous portez très chance apparemment au gratteur fou, qui est un petit peu chanceux ces derniers temps avec ses petits jeux. Donc, je vous dis donc, bah, je vous souhaite une agréable après-midi. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines parties de petits jeux à gratter en ligne. Allez, ciao, ciao tout le monde!